En l'espace de 2 semaines, le bain de Munich a quasiment tout perdu. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du bain de Munich, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, le bain de Munich a fait un changement à 180 degrés. Ils ont limogé Nagelsmann il y a de cela à peu près un mois. Ensuite, ils ont recruté Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, quand il arrive au Bayern de Munich, son discours c'était que il veut remporter les triplés, c'est-à-dire championnat, coupe et Ligue des Champions. Mais force est de constater que en coupe, ils se sont fait éliminer par Freiburg. En Champions League, ils sont très mal embarqués face à Manchester City, qui les a battus 3-0. Donc, ça me paraît très compliqué pour le Bayern de Munich de renverser Manchester City. Et du coup, donc, comme en Coupe, ils sont déjà éliminés, en Ligue des Champions, ils sont quasiment éliminés, il reste a priori le championnat. Et même le championnat Dortmund est à 2 points du Bayern de Munich. Il suffit que le Bayern fasse un petit pas, Dortmund reprend la tête du championnat. Donc, le Bayern est très mal embarqué. D'où la question, est-ce qu'il y avait urgence de prendre Thomas Tuchel? Parce que lorsque Thomas Tuchel prend l'équipe, le Bayern de Munich est encore dans les 3 tableaux. En l'espace de 2 semaines, le Bayern perd tout. Il perd tout. Du coup, on se pose la question, est-ce que Oliver Kahn, qui est le président du Bayern, est obligé de limoger Nagelsmann? Il avait le bon résultat sportivement, ce n'était pas si mauvais que ça. Il a tapé tout le grand Ligue des Champions, Barça, Inter, etc. Éliminer le PSG en 8e de finale. Pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. On n'évite pas un entraîneur comme ça en cours de saison. On n'évite pas un entraîneur comme ça en cours de saison. Ça bouleverse tout, ça bouleverse le système. Pour moi, c'est vraiment une grosse erreur que le Bayern a fait. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est une erreur? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.